Le fait que l'œuvre d'Andrés soit commence à être traduite en français, en italien et maintenant en anglais, a amené les Colombiens à se repencher sur l'œuvre d'Andrés Caicedo et à comprendre que c'est pas du tout que le côté provincial, le côté petite ville de Cali, c'était pas du tout ça. Et qu'en fait, la traduction permet de reprendre contact avec l'universalité d'un texte. Voilà, là j'ai résumé un petit peu en français, ce qu'on revient par là. Donc maintenant, on continue en espagnol. Yo quería contar una anécdota, ¿verdad? Antes de que continúes, con respecto a la edición original del Atravesado, esta edición de las ediciones pirata de calidad. El libro era una edición muy informal que tenía toda la narración del Atravesado y en las contratapas del libro estaba el cuento Maternidad, que Bernard también ha traducido en esta edición, esta hermosa edición. Y Maternidad, Andrés lo consideraba, entre comillas, modestamente su obra maestra. Es uno de sus cuentos preferidos. Y al final, en la contratapa, hay una historia muy particular, que hay una presentación del autor firmada por un escritor colombiano que vive en Nueva York hace mucho tiempo, Jaime Manrique Ardila, que es un estupendo escritor de Barranquilla, radicado en Nueva York, que ha publicado muchas novelas y en esa época era amigo de Andrés. Y la historia secreta de esta presentación es que Jaime Manrique nunca escribió esa presentación, sino que la escribió el mismo Andrés, porque Andrés siempre vivía de afán, vivía con problemas de tiempo. Le pidió la presentación a Jaime, Jaime nunca la enviaba, entonces él decidió escribirla y firmarla a Jaime Manrique Ardila, y Jaime siempre vivió feliz con esa presentación porque le pareció mejor que si él hubiera escrito. Y lo interesante de esa presentación es un complemento con lo que tú dijiste hace un rato, es que ahí Andrés dice que ojalá sus libros sean leídos por jóvenes entre los 15 y los 18 años en la clandestinidad de los recreos. Pues yo creo que el tiempo le ha dado la razón, porque los lectores de Andrés siguen siendo, después de 35 años, fundamentalmente gente muy joven. Oui, donc là, Sandro a raconté, est revenu sur l'édition originale du texte qu'on a appelé Traversé par la rage, ou Atravesado. En fait, c'est l'édition originale dont la sœur d'Andrés m'a offert une copie. C'est un petit cahier renéoté que sa mère avait financé, et Andrés, tout à l'heure Sandro le rappelait, donc c'est un livre publié à compte d'auteur, et Andrés, avec son humour habituel, a mis comme crédit d'éditeur édition pirate de qualité. Et d'ailleurs, une chose que je rajoute à Sandro, le dessin de couverture est d'Andrés aussi, et c'est Keith Richards qui est pour lui l'incarnation du mauvais garçon de la Travesado. C'est Keith Richards. Et si vous regardez bien en bas de la couverture, il y a un cœur avec un B et un J. C'est qui? C'est Bianca Jagger et Mick Jagger. C'est une édition pirate de Rolling Stones. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc, ce que disait Sandro, c'est que dans l'édition originale, à l'intérieur de la couverture, il y a un texte qui est signé Jaime Manrique, qui est un écrivain colombien qui est parti vivre à New York et qui était un grand ami d'Andrés. Et bon, beaucoup de gens se sont interrogés sur ce texte. Et en fait, Jaime Manrique n'a jamais écrit ce texte. Simplement, Andrés lui avait demandé de l'écrire. Et comme Jaime Manrique était toujours un homme pressé, voyant qu'il ne l'écrivait pas, Andrés a décidé de l'écrire pour lui et de le signer à sa place.
Ce qui est quand même assez gay. Jaime Maleke a été totalement charmé par le... par cette espèce de piratage aussi. Et dans ce texte, Andrés Jaime exprime le désir, l'espoir que El Atravesado soit lu par les jeunes, pour les jeunes, et soit lu, non seulement lu dans un fauteuil au coin du feu, mais lu à voix haute. Et c'est exactement ce que je racontais tout à l'heure, ce qu'on fait ce qui a été fait dans un lycée de Cali, dans un collège de Cali cette année, où plusieurs classes ont... Guillermo Lemos est allé lire le texte, et que après les élèves ont commenté dans des lettres. Il y en a plusieurs, si vous regardez sur Facebook, qui ont été publiées, et c'est complètement incroyable. Des enfants de 13-14 ans qui commentent un texte sur la jeunesse qui a été écrit en 73, aujourd'hui. C'est-à-dire, ça fait quoi, 40 ans? En 80, un bulle et d'un bulle. Elle a un sourire satisfait. Elle continue à marcher et l'ondule de partout le corps entier. Elle finit par se perdre dans la foule. Et est-ce qu'il arrive quelque chose ou non? Comme toujours. Ahí se desiré son semen. Desiré se lutté por quelque chose de désirable. Et ahí se n'est pas pouvoir attendre ce pourquoi on est. Aimer se désiré tout, lutter pour tout. Et même ainsi avoir le courage de continuer à aimer. Je hais ma rue parce qu'elle ne se révolte jamais contre la vacuité des gens qui la portent. Je hais les autobus qui trimballent mes espérances pour la fille à côté de moi. Les espérances toujours déçues. Les bus qui suscite péché, pensée absurde. Voilà pourquoi je l'ai aussi ces pensées. Les miennes, celles de la fille, des pensées qui envahissent tous sans cesse ce qu'elles savent vulnérable. Je n'aimais pas résigner à leur mission habituelle. Celle d'aller sans cesse dans une direction précise, tout en maudissant cette obligation. Je hais Cali, ville qui espère, mais n'ouvre pas ses portes désespérées. Tout était pareil que les autres fois. Une fiesta! Un moment où on essaye désespérément de sortir de la routine, sans jamais parvenir. Une fiesta, comme tous les autres, avec quelques séducteurs décidés à faire un festin de bière, quelque part de côté de junto, de jambi ou de boudra. Une fête avec quatre nanas qui vous lancent des regards pleins de luxure. Une fête avec des gars qui flaxent l'envie de type descendu d'un voiture dernier délai. Une fête où il y a un ou deux PD bien camouflés. Et le plus drôle de tout, c'est que la fille à côté de lui essaye en vain de l'exciter en le frôlant de coude au debout de toi. Un fiesta
avec des filles qui ne se sont jamais laissées embrasser par leur fiancé et qui sont jolies comme pas les roses. Et aussi avec Eve Oupéi, qui fait un homme très grandiloquent, affoulé d'une veste rouge et regarde partout pour attirer l'attention. Une fiesta! Où la mère de celle qui a organisé la fête est présente! Elle admire comment sa fille chérie danse bien sans savoir l'idiote. Sans même imaginer que sa fille si distinguée peut faire quand elle est seule avec un gars. Et même que ça lui plaît vraiment. Une fête! Où les plus se proquittent se prend une cloche de Dieu. Maudite soit-elle! Alors que ce qu'ils font, c'est de se chier dessus pour arriver à peloter la fiancée de leur ami, pensant à Dieu. Ils se fécondent tranquillement et cherchent à voler la fiancée d'un ami. Oui. Je ai Cali. Une ville. Dont les habitants marchent. Marche, en pensant à tout et à rien. Ils ne savent pas si c'est le leur, ils ne sont pas sûrs. J'ai mon cœur et mon âme. Deux choses importantes, elles révèlent leurs attentions et aux normes de cette maudite société. J'ai mes cheveux, une chevelure, fatiguée d'attirer des regards stupides. Une chevelure qui peut accueillir mille et une importance dans les kiosques à cela. Je hais la façade de ma maison. Pour cette manière qu'elle a de regarder jalousement celle d'en face, toujours. Je hais le petit mec qui joue au foot dans la rue et qui, avec leur crotté et leur ballon mal gonflé, essaie d'oublier qu'ils doivent lutter de toute leur force pour protéger l'innocence. Oui! Je hais ces gamins qui ferment les yeux devant l'angoisse à venir. Celles qui ne se lassent jamais de tourmenter tout ce qu'elles rencontrent sur son chemin, inlassablement. Sans prononcer tout, sans parler de tout, du tout. Je hais mes voisins qui croient trouver l'avenir du pays dans un salut distrait. Que je le fais. Je hais tout ce que je peux regarder du ciel, oui, tout ce que mon regard attend, parce que je n'ai jamais pu y découvrir l'endroit précis où Dieu habite. J'ai une amie qui a peur de penser à lui parce qu'il sait que tout ce qui le concerne est mensonge, que lui-même. Mais qui n'a jamais pu ni ne peut l'accepter. Oui, c'est une amie qui essaie d'être fidèle, mais il ne m'arrive pas. Non, sa lâcheté m'empêche. Je hais mes amis, un par un. Des individus qui n'ont jamais tenté d'imiter mon accent. Des gens qui croient vivre heureux. Et le pire de tout, c'est que moi, je ne peux jamais penser comme ça. Je hais mes amis avec leur indifférence aussi écrasante. Je les hais quand elles se moquent de leur cavalier sitôt fini la danse. Je les hais
quand elles s'efforcent de manifester les sentiments contraires à ce qu'elles ressentent réellement. Je les hais. Quand elles n'essayent même pas de penser d'être avec moi, demain, à la même heure et dans le même lit. Je hais mes amis parce que leurs cheveux sont presque aussi artificiels que leurs pensées. Je les hais parce que aucune d'elles ne sait mieux danser gogo que moi. Ou parce que je n'ai pas encore connu un fille de canson qui soit à la hauteur de l'immatériel. Je les hais parce qu'elles croient trouver en moi le tonique idéal pour tuer les complexes. Mais elles ne savent pas que je n'ai bien plus qu'elles, moi, Rita, Rita. Je les hais. Et c'est pour ça que je continue à le faire avec elles. Parce que je les désire. Et que je n'ai pas encore appris à les aimer. Je ne sais pas, mais pour moi, le pire de tout dans ce monde, c'est la sensation d'impuissance. Se rendre compte que rien de ce que l'on fait ne sert à quoi que ce soit. C'est convaincre que l'on fait quelque chose d'important. Alors qu'il y a des autres choses plus importantes encore à accomplir. Et puis, s'apercevoir que rien ne bouge. On est au même point. On cale, on patine. Être incapable de multiplier les talons. Se persuader qu'on est sur cette planète pour tenir un rôle d'idiote. Pour regarder Dieu tous les jours sans lui prêter attention. Et alors, on cherche quelque chose de positif. On le trouve? Ah non! Tout ce que vous faites, c'est avaler de la merde! Allez, quoi! Peu importe dans quel état se met votre estomac, pensez à votre salut, allez! À votre destin! Ah, mon Dieu, à votre destin! Mais tout ça n'a pas d'importance, vraiment! Non? Voyez, et convenez-en. Pour autant de sacobre si que vous fassiez dans cette vie, pour autant de cortonsion à travers leurs apparences et leurs pirouettes au milieu des idéaux, vous débouchez toujours au même endroit. Toujours. Mais ce n'est pas important. Ne le prenez tanto aussi au sérieux, puisque le plus drôle de tout, et le plus triste de tout, c'est que vous, vous pouvez continuer tranquillement, paisiblement, à déféquer, à pourrir, peu à peu. Alors, allez-y, calmez-moi, bon Dieu du calme! Je hais la 6e avenue, car sans cesse, je crois trouver en elle l'importance au bienfaitrice d'une véritable personnalité. Je hais le club des loisirs, ces lieux à la fois stupides, artificiels et hypocrites. Je hais le théâtre Kalima, rempli tous les jours de gens connus. Je hais le mec tout content qui vient de passer. Il a raté sa matière en fin de l'année, mais il s'en fiche. Parce que sa copine s'est laissée embrasser sur son propre lit. Je hais tous les PD pour leur stupidité. Dans tous les sens du terme. Je hais ces maudites heures de tout, juste pour décrocher un bon nom.
Je hais tout ce qui chie sur la jeunesse, chaque jour. Tu sais quoi? Je sens que je n'appartiens pas à cette ambiance, à cette fausseté, à cette hypocrisie. Et qu'est-ce que je fais? Je viens de cette classe sociale, que je peux te dire que ce n'est pas facile d'en sortir. Ma famille fait partie de cette classe que je combats. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Oui. J'ai bouffé et chié cette atmosphère pendant 15 ans. Et maintenant, bon Dieu, maintenant, je ne peux quasiment plus en sortir. Et toi, tu te demandes pourquoi je viens comme ça, tout angoissé et pessimiste. Ça te paraît rien du tout, toi, d'être entouré d'amis, mais de même pas pouvoir en rencontrer un qui te ressemble. Je ne sais pas qu'est-ce que je viens pouvoir faire, mais malgré tout, la gloire est au bout du chemin, si ça a une importance. Je la hais. Et de ne pas savoir sous-vaincre sa conscience et sa fausse liberté. Je la hais. Elle m'a montré trop vite qu'elle m'aimait et me désirait. Mais ensuite, elle n'a pas su être à la hauteur de ses démonstrations. Je la hais parce qu'elle n'a pas su les manifester. Alors que ce jour-là, elle est allée à son lit toute pleine. Je l'aime. Cette fille est stupide. N'en se rend-elle pas compte? Je la hais aussi à cause du problème énorme qu'elle m'a posé. Et parce qu'elle s'en allait toujours avec mes paroles, avec mes gestes, mes caresses et tout. Les importants, une fois encore jusqu'à son lit. Enfin, peut-être qu'il existe pour nous un autre chemin. Au bout du chemin, si t'as tenté qu'il nous reste un chemin, qui sait? Je hais tous les putains de continuer à vendre des nostalgies illusoires dans leur maison et leur rue. Je hais les messes mal écoutées. Je hais tous les miens. Je les hais. Pour ne pas savoir trouver ma mission véritable. C'est pour ça que je me hais. Et vous autres, est-ce que ça vous importe? Oui, je hais tout ça. Tout ça. Tout. Je le hais. Parce que je lutte pour l'obtenir quand même. Des fois, j'arrive à gagner, des fois, non. C'est pour ça que je les hais, parce que je lutte pour avoir sa compagnie. Je la hais parce que haïr, c'est désirer et apprendre. Vous me comprenez? Je la hais parce que je n'ai pas appris à aimer et j'ai besoin de ça. Voilà pourquoi je hais tout le monde. Je ne cesse de haïr et ma haine ne parle de personne. Rien. Personne. Rien.
direction. You're gonna grind up a little bit,
Oye, papi, esto es lo que tú sabes, dilo. Ya, ya.
chiquito jovial. Javier, el sabroso me da culpa. Hasta pronto.